sûr que 100 fois plus bon. 50 mètres et pas une gauchiste. Pour 50 mètres, droite, ça, partir devant, il y a énormément de balayage, surtout dans le nouveau départ là, de la spéciale numéro 1. Mais voilà, il va falloir rouler, on sait très bien qu'on va être loin derrière. Mais... C'est la deuxième fois que je le fais, j'avais participé à la première édition en 2011 ou 2012, il me semble, en deux-roues motrices. Donc très beau rallye, comme je l'ai dit, très rapide, très cassant, très technique. C'est clair qu'on s'est bien préparé pour ce week-end. L'an dernier, je l'avais fait dans le championnat de France junior, donc ça change complètement, la voiture, ça pousse beaucoup plus. Le terrain, j'adore, il est très compliqué, très particulier et exactement le terrain de prédilection que j'aime. Donc tout est bien, on a tout bien préparé, là on a bien confirmé nos notes. Allez, et on fait un tour dans un champ. Je pensais sortir au bout du champ, sauf que ça sortait pas, donc j'ai perdu 15-20 secondes et le scratch est à 20 secondes, donc ça va bien si on fait pas d'erreur. Une petite faute de débutant dans la première, je me suis fait avoir sur un virage très serré, et puis après ça commence à venir, et puis la voiture c'est vraiment génial. Hein. C'est ça qui est sympa. Vive la coupe de marque en R5 avec des voitures où on se fait vraiment plaisir parce que c'est des vraies voitures de rallye. C'était l'objectif de la boucle, on est quand même au contact des premiers. Il y a beaucoup de balayage et j'ai du mal avec la voiture un petit peu. C'est pas aussi naturel que j'aurais souhaité. C'est pas aussi confortable que la Xara par exemple. Et je suis surpris d'avoir pris la tête directement parce qu'on a une position sur la route où il y a énormément de balayage, mais attendez pas autant. On est remotivé à bloc pour faire un bon résultat ce week-end. Je pense qu'on va prendre encore beaucoup de plaisir avec la voiture. Voilà, si on peut se bagarrer pour la victoire, on ne s'en privera pas forcément. Donc voilà, on va essayer en tout cas de faire un bon rallye ce week-end. Ouais.